Et c'est parti pour un vlog. En réalité, j'ai déjà commencé un vlog genre il y a un mois. Je l'ai laissé pourrir dans un coin parce que j'ai pas eu le temps de m'y recoller. Et ça me saoulait un peu de garder une intro vieille d'un mois et tout. Donc je me suis dit, allez, je repars et je fais les choses bien. Mais je te le dis tout de suite, il va y avoir triche parce que dans le vlog donc, que j'avais commencé, il y a quand même des séquences où je parlais de, où je faisais un retour sur les lectures que je venais de finir. Et je trouve ça dommage de ne pas avoir mes réactions de ce moment-là. Parce que depuis, ça s'est un peu estompé dans ma tête, il s'est passé plein de choses. Donc à l'intérieur de ce vlog, je vais coller des bouts qui en fait, chronologiquement, n'ont rien à faire là. Mais en fait, on s'en fiche, voilà. Donc est-ce que c'est vraiment un vlog? Est-ce que je ne suis pas en train de trahir l'essence même du vlog? C'est possible. J'ai pas mal de choses à raconter parce que même si j'ai été méga débordée, j'ai réussi à lire un petit peu et surtout début septembre, donc ça commence à dater, ok, j'ai eu le temps d'aller vite fait sur un vide-grenier et là j'ai pris quelques trucs. Voilà, c'est terrible la luminosité. Donc on commence par ça, je te montre les livres que j'ai trouvés et qui contribuent à ce nombre complètement indécent de ma pile à lire. Mais tu vas voir, j'ai acheté un truc dans un mood très particulier. Enfin, sauf peut-être un qui se... Bon, attends, je te montre. Alors, le dernier que j'ai trouvé, qui n'était pas au vide-grenier, mais bref, complètement ailleurs, c'est 100 millions d'années et un jour de Jean-Baptiste Andréa. Donc, Jean-Baptiste Andréa, moi, j'avais lu Marraine il y a genre 2 ans, que j'avais pas vraiment aimé, il faut être honnête. Et j'ai lu Des Diables et des Saints cette année, que j'ai adoré, ça a été un coup de cœur. Donc, il faut absolument que je tranche et j'ai pris celui-ci parce que je l'ai trouvé à 1 euro. Je sais pas de quoi ça parle. On est en 1954, on est dans un village paumé entre la France et l'Italie et on suit Stan, un paléontologue en fin de carrière et 2 autres scientifiques et qu'est-ce qu'ils font ensemble? On ne sait pas. Ils ont trouvé un squelette peut-être de dinosaure, on ne sait pas, enfin bon, bref. Et ils se retrouvent dans le froid, dans la montagne, dans l'altitude, la solitude. Blablabla. Bon, on verra ce qui leur arrive. Ensuite, j'ai pris Assez de bleu dans le ciel de Maggie O'Farrell. J'ai hésité parce que ça m'a rappelé le titre Tout le bleu du ciel, tu vois, ça fait écho. Et c'est un livre que j'avais pas du tout aimé. Mais comme ça n'a rien à voir, c'est pas la même autrice et tout, je me suis dit, je ne peux pas prendre cet argument en compte. Le vrai argument, c'est que Maggie O'Farrell, j'ai lu I Am, il y a, je sais plus, l'année dernière peut-être, et j'avais adoré. Donc j'avais dit que je retenterais l'autrice pour découvrir ce qu'elle a écrit d'autre. Donc c'était l'occasion, j'ai pris celui-ci. Je ne sais pas de quoi ça parle et j'ai pas trop envie de lire le résumé, donc navré, tu n'en sauras pas plus non plus. Et là, je me suis un peu emballée sur un style que je lis pas vraiment. Voilà, mais j'ai pris à une dame celui-là, La toute petite reine d'Agnès Le Dic. Donc on va certainement parler de rencontres, d'humains, d'émotions, tout ça. J'allais dire un peu dans le même genre, j'en ai pas la moindre idée si c'est le même genre, mais j'ai pris un Lucinda Riley, tu sais, c'est un peu pareil, ces autrices dont on entend beaucoup parler et que moi j'ai encore jamais lu parce que je m'étais lancée sur le truc des 7 sœurs là. Finalement je l'avais pas lu, c'est pas que j'avais pas aimé, hein, j'avais dû lire 4 lignes donc je peux pas me prononcer. Mais bref, j'étais passée à autre chose. Mais j'en ai quand même pris un autre, Le secret d'Elena. J'en ai entendu parler il n'y a pas si longtemps sur une chaîne de je ne sais qui disait je ne sais quoi. Nous voilà bien avancés, mais j'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit aussi, mais là n'importe quoi, je me suis dit que j'avais jamais lu Clarisse Sabar. Et j'arrive donc devant ce stand de vide-grenier d'une fille qui vendait genre tous ses Clarisse Sabar. Et pour découvrir, j'en ai pris 3. C'est énorme, 3, n'importe quoi. J'ai pris un truc qui faisait penser à l'été, Ceux qui voulaient voir la mer, un truc qui fait penser à l'hiver, La vie a plus d'imagination que nous. Alors moi, les romances de Noël, machin et tout, enfin bref, à voir, peut-être, essayons, et un truc qui fait pas forcément penser à une saison, allez, peut-être au printemps, j'en sais rien. Mais derrière, il y avait écrit 1910, la jeune Agathe repasseuse fait la connaissance de la belle Otero, célèbre danseuse dans la villa dans laquelle elle est employée. Une rencontre qui va bouleverser sa vie, deux destins liés à jamais par le poids d'un secret. Je lis pas la suite, mais a priori c'est 1 siècle plus tard. Donc ça m'a rappelé un petit peu le processus de Kate Morton. Donc je me suis dit, allez go. Et sinon, je voulais te faire un petit point sur mon Pumpkin Autumn Challenge. Alors tu vas avoir des espèces de points lecture après qui ont été tournés avant. Bon bref, on en a déjà parlé, c'est bon, n'en faisons pas tout un flan. J'ai voulu remplir dans le Pumpkin Autumn Challenge le truc du livre audio. Et en livre audio, attends, je vais le chercher. J'ai commencé Brexit Romance de Clémentine Beauvais. Et pour moi, ça a été la
catastrophe. Vraiment, j'ai pas tout lu, mais j'ai pas du tout accroché. Alors déjà, certainement à la façon de lire dans mon livre audio et à tous ces... Attends, déjà, en fait, c'est une jeune fille qui, en gros, lance une espèce de compte d'entreprise pour faire des mariages blancs, pour récupérer la nationalité européenne, anglaise, enfin voilà, rester mariée 5 ans, et elle organise des trucs comme ça. Et on suit ces jeunes personnes qui se lancent un peu dans cette aventure. Alors forcément, ça passe entre la France et l'Angleterre, donc on a affaire à des gens qui parlent anglais mal, français mal, anglais bien, enfin bon, bref, tout ça. Et du coup, à l'oral, c'était, je trouve, insupportable. Mais je pense aussi que c'est un problème d'écriture, de dialogue. Moi, j'ai vraiment souvent du mal avec les dialogues dans les bouquins. Enfin, s'il y en a beaucoup, ça peut vite me sortir du texte parce que je trouve que c'est un exercice hyper difficile, le dialogue. Mais mis à part Ludovic Manchette et Christian Niemek qui ont écrit Alabama 1963 et America, où les dialogues sont parfait et du coup j'ai adoré. En général, le dialogue me gonfle, voilà. Je galère à retrouver les passages, mais vraiment il y a un passage, je me souviens, du coup il y avait une conversation entre une personne anglaise et une personne française, et la première personne s'exprimait en anglais et c'était écrit après: dit un tel en anglais. Super, répondit un tel en français. Well, répondit Nyanya en anglais. Et à chaque fois c'était précisé en anglais ou en français, mais c'était vraiment insupportable à lire parce qu'on voit que c'est en anglais ou en français, enfin on n'a pas besoin qu'on précise quelle langue c'est. Et en fait, même dans un dialogue sans problème, enfin sans changement de langue, il y a un truc hyper lourd. Et bon, je te donne un exemple. Je m'émerveille, persista Cosmo. Et c'est dans ces trucs-là, persista, dit. Et là, c'est, attention, c'est le festival de toutes les intonations qu'on peut trouver, de tous les synonymes. C'est terrible. Je m'émerveille, persista Cosmo, qu'une jeune fille ayant eu des difficultés, blablabla, blablabla. Kamenev ne répondit pas. Pardonnez-moi, dit Cosmo, je suis d'une absolue impolitesse, blablabla. Je ne m'offense, murmura Kamenev. S'offenser, c'est un truc d'anglo-saxon, poursuivit Kamenev. Quite, dit Cosmo. En revanche, dit Kamenev, j'aimerais bien pouvoir me concentrer sur la répétition. Bien sûr, s'empressa Cosmo. Il est absolument capital que cette jeune dame soit au summum de ses capacités ce soir. Bla bla bla. Et c'est tout le temps comme ça. Bien sûr, dit Cosmo. Mais à un autre moment, non plus, dit Kamenev. Bien sûr, dit Cosmo. Non, dit Kamenev. Et tout le temps, c'est comme ça, à chaque demanda Cosmo, répondit Kamenev, répéta Cosmo. Mais franchement, j'ai trouvé ça d'une lourdeur. Et en plus, il y a tout un langage qui se veut jeune et adolescent ou jeunes adultes. Et du coup, c'est très grave et tout. Et en fait, je suis hyper déçue. Voilà, donc je ne vais évidemment pas continuer ce livre. Et j'ai choisi de lire en livre audio Kérosène de Adeline Dieudonné. J'avais lu La vraie vie de l'autrice et ça avait été un coup de cœur, donc je me suis dit, allez go, je me lance en audio sur Kérosène. En plus, il est très court. Pour ce livre-là, je l'ai abandonné aussi, mais parce que c'était trop cru pour moi. En fait, ça commence dans une station-service. Il y a une dame qui est en train de sauter d'un pont, je crois, et on me décrit comme ça chaque personne qui assiste, enfin qui sont présentes dans cette station-service. Et moi, j'ai arrêté assez tôt dans le livre, je dirais à un quart, un tiers, pour, chaque chapitre présentait ses personnages présents. Mais en fait, chaque personnage était vu d'un œil hyper violent, hyper glauque. Chaque personnage, vraiment, en fait, je vais pas dire ce que l'autrice tente de faire parce que j'ai pas lu le roman en entier, donc ça serait un petit peu exagéré de ma part, mais globalement, c'est une peinture du côté sombre de ces personnes, mais un côté sombre qui est vraiment mis au maximum de sa violence, quoi. Et chaque mot est dur, chaque phrase est heurtante, chaque scène est crue, c'est très très cru. Alors, je dis pas que c'est mauvais ou quoi, je pense que c'est même plutôt bien fait. Donc ouais, moi j'avais pas du tout envie en ce moment d'être confrontée à une telle violence, quoi. C'est vraiment beaucoup en quantité et beaucoup dans la façon de dire les choses. Du coup, j'ai pas continué, donc je ne saurais pas si ce livre aurait pu me plaire ou pas. En tout cas,
une chose est sûre, en ce moment, c'est non pour moi. Donc abandon, mais un abandon juste, désolée, mais je suis pas capable de lire ça en ce moment. Donc à partir de là, j'ai arrêté les livres audio, tu vois, parce que j'enchaîne déception sur déception. Donc je fais une pause du livre audio. Et j'ai donc sorti un livre papier où je me suis dit, allez, avec celui-là, je ne me plante pas. J'ai pris mon tome 4 de la saga Les Bannis et les Proscrits, Le Portail de la Sorcière. Alors désolée pour les maniaques des livres, il est pas en super état. Je l'avais acheté d'occasion et en plus de ça, j'en prends pas soin. Là on suit Elena qui est une jeune fille dans le tome 1, hein, bien sûr je vais pas te parler de l'avant-dernier tome parce que ça serait grave spoilant, qui découvre qu'elle a des pouvoirs et c'est vraiment de l'heroic fantasy de base. Il y a tous les clichés, je l'ai déjà dit je crois quand j'avais présenté le tome 3, ça coche toutes les cases de la fantasy, ça révolutionne rien du tout, mais quand même il y a dans les compagnons d'Elena qui sont des êtres de différentes natures, je trouve une subtilité dans le côté dualité, le bien, le mal, cette part sombre qu'on a tous en nous. Il n'y a pas juste les gentils et les méchants, même si quand même il y a globalement ça. À l'intérieur des personnages qui l'accompagnent, je trouve qu'on les sent des fois un petit peu borderline, et ça j'aime bien. En fait, je lis ce livre parce qu'en fait, il y a énormément d'action. Je suis à fond avec les personnages. Je prends vraiment du plaisir, ça me divertit, ça me sort de mon quotidien, ça me vide la tête et j'adore suivre ces aventures. Donc c'est l'avant-dernier tome et je pense que je vais lire le dernier tome cet hiver. Et comme ça, j'aurai fini la saga. Donc là, c'est vraiment... allez, je prends la valeur sûre, le truc qui va me détendre et me faire passer un bon moment de lecture, quoi. Si t'es fan de fantasy, et je crois que je le dis à chaque fois que je présente cette saga, si t'es vraiment un féru de fantasy, je pense pas que t'y trouveras ton compte en fait, parce que voilà, pas forcément le livre le plus subtil et le plus novateur, mais moi je kiffe et j'adore y retourner. Dès que j'ai 5 minutes, je lis quelques pages, vraiment j'ai trop envie de savoir la suite, tu vois, ça me hype en fait, c'est... mais en même temps il se passe un milliard de trucs, donc il y a un milliard de personnages et je les aime tous, donc voilà. Et ma pile de livres vient de s'effondrer. Est-ce que tu me vois depuis tout à l'heure à moitié penchée comme ça dans cette position bizarre? Oui, parce que tu vois, je suis en train de gratter les boutons de moustique qui m'ont dévoré il y a deux nuits. J'en ai genre 20 ou 30 sur le corps. Je me suis fait défoncer et je gratte mes boutons comme ça. C'est vraiment immonde face à la caméra parce que ça me soulage. On sait tous qu'en vrai, ça soulage pas, qu'il faut pas faire ça. Mais écoute... J'ai pas de volonté, voilà c'est tout. Bah voilà, je crois que je t'ai tout dit pour l'instant, donc je reviendrai plus tard. Allez, à plus. Salut, je viens de me réveiller quasiment. Hier j'ai fini L'Enfant du Lac de Kate Morton. J'ai pris ce Kate Morton qui était dans ma pile à lire. J'avais déjà lu un autre Kate Morton, Les Brumes de Riverton, il y a peut-être, je sais pas, un an je dirais. Et j'avais vraiment passé un super moment de lecture. Et je m'étais dit, cool, voilà une autrice qui va bien me plaire. Et j'en avais acheté plusieurs, il me semble que je dois en avoir d'autres. Ouais, j'ai Les Heures Lointaines qui est là et je dois en avoir un grand format aussi dans ma pile à lire, La Prisonnière du Temps, un truc comme ça, enfin bref. Et j'avais également celui-ci qui était celui qui me tentait le plus. Pour te faire un résumé rapide, on est en 1933 dans un manoir en Cornouailles et un soir d'une grande fête, d'une famille bourgeoise, en même temps un manoir, tu te doutes, et ben il y a le dernier enfant, le petit Théo qui a un an et demi, qui disparaît. Et malgré tous les efforts de la police, et ben ce petit garçon n'est pas retrouvé. Donc forcément la famille est bouleversée, elle décide de quitter cette maison et d'aller vivre à Londres et elle laisse ce manoir abandonné. Et parallèlement à cette histoire, il y a une action qui se situe en 2003 et dans le récit on va tout le temps faire des allers-retours comme ça entre ces deux périodes. Et il y a une jeune enquêtrice qui s'appelle Sadie Sparrow qui est mise en vacances forcées parce que tu vois elle a fait... une bourde, on va dire ça comme ça, au taf, et elle a été mise de côté et elle va chez son grand-père en Cornouailles justement se ressourcer, qui est un voisin plus ou moins de ce fameux manoir qui est laissé à l'abandon depuis 70 ans. Elle part en footing et elle tombe sur ce manoir qui l'intrigue beaucoup. Elle se renseigne un petit peu et si tu veux la fille elle est enquêtrice, donc ce genre de mystère ça la titille un petit peu, donc elle va enquêter autour de cette histoire qui est classé depuis 70 ans. Donc il y a cette histoire en 1933 de cette famille et des Vane qui perd son petit garçon, il y a cette enquêtrice et il y a une autre femme, et ça au début j'ai eu un peu de mal à comprendre, il y avait beaucoup de personnages, il faut dire je l'ai commencé un petit peu fatiguée. Il y a cette Alice qui est présente à la fois en 1933 dans cette maison alors qu'elle est enfant et à la fois en 2003 où elle est écrivaine à Londres, qui est donc
plutôt une vieille femme, qui va faire le lien entre ces deux temporalités. Donc il y a tout ça qui se mêle. Évidemment, on passe énormément de temps dans les années 30, notamment avec la mère du petit garçon. Même avant, d'ailleurs, on remonte dans les années 10, parce qu'on suit son enfance à cette mère-là. Un petit peu pour comprendre bien son histoire, son parcours. Toute l'histoire de l'enquête dans les années 30 et le parallèle en 2003. Et franchement, j'ai adoré. Mais en fait, j'adore Kate Morton. Elle écrit de façon extrêmement fluide et à la fois extrêmement fournie. Il y a beaucoup de détails. T'es vraiment plongé dans une atmosphère. C'est fourni autant sur les personnages, leurs émotions, leurs actions, le décor, tout ça. Et du coup, j'adore. Le vocabulaire est riche aussi. Enfin, c'est pas du tout complexe. C'est même très simple et fluide à lire. Et puis voilà, quand même, il y a du vocabulaire. Moi, j'ai croisé genre 2-3 mots que je connaissais pas. Donc c'était franchement, c'était trop bien. Moi, j'étais à fond dans l'enquête avec les personnages. Mais vraiment, plus que ça, c'est vraiment une histoire d'ambiance. Je sais pas, à mon avis, c'est quand même un trait de caractéristique de Kate Morton. Enfin, moi, j'en ai lu que deux, donc j'ai très peu de recul. Mais dans Les Brumes de Riverton, il y avait déjà ça. Et c'était déjà dans l'ambiance manoir et tout. Alors, est-ce que c'est un décor de prédilection pour elle, je sais pas. En tout cas, moi, les deux que j'ai lus, ça se passait dans cette ambiance-là, tu vois. Excellente lecture, j'ai passé un super moment, trop contente. Et je pense que je vais en lire un autre cet hiver. Il faut que je retourne voir la vidéo de Margot Liseuse. Elle a fait une vidéo spécialement sur Kate Morton, où elle classe, parce qu'elle les a tous lus, ses livres de celui qu'elle a le moins aimé à son préféré. Donc, faut que j'aille revoir ça pour savoir vers où me diriger. Et cette semaine, j'ai accompagné ma fille à la médiathèque pour qu'elle renouvelle son stock de livres. Et vraiment, à la médiathèque, moi, j'emprunte jamais rien. C'est-à-dire, j'ai 200 livres dans ma pile à lire. Il y a un moment, je peux pas en plus emprunter à la médiathèque. Sinon, j'ai l'impression que mes livres comme ça vont rester des années en attente. Et il y a un moment, il faut que je m'y colle, tu vois. Mais j'ai fait une petite exception parce que j'avais vu passer sur la chaîne d'Isabelle, des Chroniques du Hérisson, un livre qui me faisait envie. C'était La Séquestrée de Charlotte Perkins Gilman, je pense. Et du coup, comme il est tout petit, il fait 90 pages, il est écrit assez gros et qu'il coûte 7,50 €, j'avoue que j'ai hésité à l'acheter. Je me suis dit quand même, je vais le lire en une heure. Ça m'embêtait. Et je l'ai vu sur le présentoir des nouveautés à ma médiathèque, donc go, je l'ai emprunté. Donc je vais lire ça aujourd'hui. Et puis je reviendrai t'en parler juste après. On se retrouve un petit peu plus tard et j'ai lu La Séquestrée de Charlotte Perkins Gilman, je ne sais toujours pas comment on dit. Et ma foi, c'était une lecture très étrange. Je vais te lire la quatrième de couverture qui fait en fait 6 lignes et je t'en parle après. Lorsqu'une jeune mère de famille tombe en dépression, son mari, médecin, sous couvert de soins et d'amour, lui impose de garder la chambre. En réalité, elle subit une séquestration physique et mentale et sombre peu à peu. Et ensuite, ils disent « Ce roman majeur de la littérature féministe dénonce l'asservissement des femmes au mariage, au foyer et à la maternité. » Et en fait, c'est une toute courte nouvelle. Je vous avais dit qu'il faisait 90 pages. Et en fait, pas du tout. Il fait 40 pages à peine parce que après, il y a une postface. Et ouais, c'est ça, on suit une jeune femme qui vient de se faire enfermer dans cette maison de vacances par son mari. Et c'est terrible, je trouve, dès les premières lignes, avec son mari qui est comme ça, mis sur un piédestal parce qu'il s'occupe d'elle, alors qu'en fait, il la met juste dans une chambre, il l'enferme et il lui dit de rien faire. Il lui dit qu'elle est malade, qu'il faut qu'elle aille mieux et que pour ça, elle ne doit pas penser, pas écrire, pas faire aucune activité physique, mentale, rien. Elle doit rester comme ça telle une larve et que sans ça, elle n'ira pas mieux. Et à chaque fois qu'elle essaye de faire quelque chose et de dire, il y a son mari qui est toujours là, non ma chérie, tu es quelqu'un de très faible, et voilà, et qui la recouche. En gros, c'est ça. Et ça dure 40 pages et évidemment, on s'écrit à la première personne et elle devient cinglée parce qu'elle n'a rien d'autre à faire que de regarder cette tapisserie horrible qui tapisse sa chambre et elle commence à perdre la boule en fait. Elle commence à voir des choses dans les motifs et ça finit sur une apothéose de folie et en même temps une image très forte et un peu flippante. Et franchement, 40 pages, je trouve qu'il y a une belle évolution, il y a une belle proposition. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé le lire et j'ai trouvé la postface très intéressante parce que elle a éclairé ma lecture du roman, ça a retracé un petit peu la vie de l'autrice, ça a mis aussi en lumière des techniques médicales. Ce que lui impose son mari, en fait, c'est vraiment une technique médicale recommandée à l'époque par un médecin très coté. Peut-être que toi, tu vas connaître, hein, franchement, le docteur Taylor, je crois que c'est ça. Le docteur Charles Fayette Taylor,
Donc c'était ses méthodes. Donc un médecin hyper coté à l'époque qui a soigné d'autres de ses contemporaines, également Edith Wharton. Et en fait, ça me donne envie vraiment de plus creuser ce qui s'est passé autour de cette, médecine. C'est vraiment dur d'utiliser des mots comme ça quand tu vois ce qui a été fait. Et cette postface aussi retrace la vie de l'autrice et nous donne des clés en fait pour comprendre comment elle en est arrivée là. C'est une nouvelle qu'elle a écrite, mais elle-même est passée par une dépression et par des soins un petit peu similaires avant de se faire heureusement tirer de là par un de ses proches. Donc je suis hyper contente de l'avoir lu parce que ça continue à enrichir toute ma réflexion autour du féminisme et puis ma culture générale et tout. Et puis j'ai passé un moment assez déroutant, mais ma foi hyper intéressant. Mais voilà, j'ai bien fait l'emprunter à la bibliothèque parce que du coup il fait que 40 pages. Et je me suis dit que j'allais enchaîner à quelque chose qui avait rien à voir. Donc j'ai pris L'Épouvanteur, le pacte de Slither. Je le montre parce qu'à la dernière fois j'ai montré le tome précédent et ça a spoilé, le titre a spoilé quelque chose pour quelqu'un. Mais là, zéro spoil, c'est impossible parce que cette petite saga, moi je la lis, aux alentours de l'automne tranquillement. Et là, ce tome 11, c'est un tome vraiment à part parce que on n'y retrouve pas les personnages de d'habitude, on ne suit pas l'épouvanteur et tous les gens qui l'entourent. C'est vraiment une histoire en parallèle, bien au nord de la contrée où se passe l'histoire principale normalement. Il y a un seul personnage de la saga principale qui arrive et qui va croiser la route de Slither, mais qui est un de mes personnages préférés en plus, donc je suis trop contente. Mais c'est vraiment quelque chose, qu'est-ce qui se passe encore plus au nord? J'imagine que dans la suite de la saga, tout ça, ça va se recroiser, se remêler. Mais j'ai vraiment apprécié finalement qu'on me raconte une autre histoire. C'est un petit, comme un livre bonus, et je l'ai dévoré en 2 jours. Donc je suis bien contente et j'ai sorti cet épouvanteur de ma pile à lire. Et j'avoue que ça m'a donné une petite bouffée d'air frais sur la saga. Et ça m'a remis le pied à l'étrier, donc je vais peut-être m'en mettre un autre dans ma pile à lire de l'automne. Et là, je suis bien embêtée parce que j'ai commencé plusieurs trucs, un truc avant de m'endormir. Enfin, en gros, je sais pas quoi lire. Une semaine hyper intense de boulot m'attend, donc je vais devoir emmener un livre au cabaret. Mais je sais pas quoi prendre, je sais même pas si j'aurai le temps de l'ouvrir. J'espère que si, parce que le matin je me lève très tôt, donc j'espère que j'aurai une demi-heure, une heure. Non, pas une heure, j'aurai jamais une heure. Une petite demi-heure pour lire le matin. Et je sais vraiment pas sur quoi, vers quoi me diriger. J'ai commencé, ouais, 2-3 trucs et là, il y a rien qui m'emballe. Alors, est-ce que je vais prendre le tome 2 de Blackwater ? Affaire à suivre, je te dis au courant. Bon, je me suis enfin collée au montage du début du vlog et je finissais donc sur cette interrogation de ce que j'allais emmener au travail. Alors, ça y est, la semaine où je me posais cette question est passée. Et peu importe, parce qu'en fait, j'ai été bien naïve de croire que j'allais pouvoir lire le matin au travail, puisque un autre travail m'est tombé dessus en parallèle et du coup, j'ai dû ouvrir un créneau de boulot avant mon boulot entre 6h et 8h. C'est vraiment super sympa. Donc je ne pouvais pas rajouter à ça encore plus tôt de la lecture parce que ça m'aurait fait mettre un réveil à 5h du mat, sachant que je me couchais très tard. Vraiment, il n'y avait pas moyen. Donc toujours plus de travail et un petit peu moins de lecture. C'est là-dessus que je vais finir ce vlog parce que depuis la dernière fois, il y a eu des choses qui se sont un peu apaisées dans ma vie professionnelle. Enfin, on va dire des grosses échéances qui sont passées. Et j'ai pu lire un petit peu, mais je ferai un petit point lecture, tout simplement. Je vais enchaîner avec un petit point lecture et rouvrir un autre vlog en essayant de m'y tenir et de filmer à chaque sieste de ma fille. Voilà, c'est le petit objectif que je me fixe, de filmer un petit peu tous les jours à chaque sieste. Enfin bref, j'espère que t'as passé quand même un bon moment de vidéo et à bientôt. Enfin j'espère, enfin on sait pas, enfin comme d'hab quoi. Allez, bisous!